À 7000 km de Paris, les Émirats arabes unis ont fait émerger des sables un chef-d'œuvre. La déclinaison du plus grand musée du monde. Le Louvre Abu Dhabi, imaginé il y a 10 ans par un monstre sacré de l'architecture contemporaine, le Français Jean Nouvel. C'était simple, il n'y avait rien. Une énorme plage, il n'y avait même pas le pont encore. Une grande île de sable, comme ça, dont on ne sentait même pas l'insularité. 10 ans d'un chantier pharaonique, plus de 5000 ouvriers, 600 millions d'euros de travaux pour bâtir cette prodigieuse coupole qui semble flotter au-dessus du golfe Persique. Derrière le défi architectural, la bouture orientale du Louvre est le fruit d'une négociation diplomatique sans précédent. Dans une des lettres envoyées par les Émiriens, il y avait cette phrase « Money is not a problem ». Alors à partir de là, voilà, la négociation s'est engagée sur de bonnes bases. Et en même temps, il y avait aussi cette espèce de fantasme autour des Émirats, supposés incultes, ne comprenant rien à l'art. Juste une pétromonarchie qui veut ajouter une particule à sa fortune, en fait. Le Louvre Abu Dhabi exporte en terre arabe l'ambition née de l'Europe des Lumières, d'un musée universel, exposant les trésors des civilisations millénaires, comme les grandes figures de l'art moderne et contemporain. Rien qu'à voir le concept du Louvre écrit en arabe, ça permet de comprendre la grandeur du projet. Comment cette petite monarchie, certes richissime, s'est-elle offert la marque culturelle la plus chic au monde ? L'histoire de la première franchise du Louvre à l'étranger est celle d'un tour de force. Né sous un ciel ombrageux, ce projet fait entrer Abu Dhabi dans la lumière. Nothing has changed here for centuries. The camel is making the same tracks in the sand that countless camels have made for thousands of years. So is the Bedouin with his hunting hawk. Impossible de prédire, au début du XXe siècle, le destin de ce petit protectorat britannique placé sur la route de la soie. Abu Dhabi, coincé entre deux puissants voisins, l'Arabie Saoudite et l'Iran. C'est vraiment une culture bédouine qui vit essentiellement de la culture et de la pêche de la perle. Et avec une dimension aussi commerciale, bien évidemment, puisque ce sont des petits émirats qui font du commerce de cette perle. Le premier gisement de pétrole découvert sous les sables d'Abu Dhabi en 1958 sort le comptoir de sa torpeur. À lui seul, l'émirat possède près de 9% des réserves mondiales d'or noir. Alors que s'amorce la décolonisation anglaise, un prince bédouin prend le contrôle de cette manne pétrolière. Cheikh Zayed, qui à ce moment-là était l'émir d'Abu Dhabi, qui était l'homme fort de ce territoire, a eu l'idée de réunir plusieurs émirats pour créer ce qu'on a appelé la Fédération des Émirats Arabes Unis. Cheikh Zayed est considéré jusqu'à aujourd'hui comme le père de la nation, dans le sens où c'est vraiment lui qui a commencé à utiliser l'argent du pétrole pour développer, avec une vraie vision de ce que pouvait être Abu Dhabi et de ce que pouvait être la Fédération des Émirats Arabes Unis.
En 30 ans, le fondateur des Émirats pose les bases d'un État moderne. Cheikh Zayed développe les infrastructures et cultive les alliances internationales. Margaret Thatcher, François Mitterrand, Tony Blair ou le président Jacques Chirac courtisent ce souverain visionnaire. En fait, le projet du Louvre à Abu Dhabi, né de cette vision de Cheikh Zayed et de son fils, de ses fils, de la volonté d'inscrire Abu Dhabi dans une histoire et que Abu Dhabi soit un pont entre l'Asie et l'Europe. À la mort du père de la nation en 2004, ses héritiers dévoilent un projet démesuré. Un pôle culturel construit ex nihilo, au large de la capitale. Sadia Thailand, l'île du bonheur en arabe. Il y a vraiment ce qu'on a appelé le développement du soft power à Abu Dhabi et qui repose sur l'éducation, la culture et un peu le sport. C'est la nécessité de diversifier son économie parce que les réserves pétrolières vont se tarir un jour. Fer de lance du soft power culturel émirien, l'île du bonheur convoque les plus grands noms de l'architecture mondiale. Frank Gehry est chargé de bâtir un nouveau Guggenheim. Feu l'architecte irako-britannique Zaha Hadid, une salle de spectacle. Le musée national en l'honneur de Cheikh Zayed est confié à Norman Foster. Tandis que le français Jean Nouvel hérite. Ce que je voulais avant tout, c'est que ce musée ait des racines, qu'il appartienne à leur culture. Et je ne voulais pas d'un musée qu'on pourrait mettre à Paris ou à Londres ou aux États-Unis. Et je suis plutôt pour un musée qui est un quartier que qu'un bâtiment qui est un coffre-fort uniquement de protection ou de classification. Donc je suis parti dans un fragment de ville, en fait, quoi, dans un quartier. Jean Nouvel est un bâtisseur qui entend marquer son époque. Aucune de ses réalisations ne se ressemble. Le lauréat du Pritzker Prize, l'équivalent du Nobel d'architecture, revendique une patte contextuelle. À l'Institut du Monde Arabe à Paris, il imagine en 1987 une façade de 240 moucharabiés high-tech. Pour le musée du Quai Branly, il encastre des cubes de couleur à une façade végétalisée. Tandis qu'il recouvre la Philharmonie de Paris d'oiseaux métalliques qui reflète le ciel de la capitale. L'architecte est un voleur, mais c'est aussi quelqu'un qui a une mémoire. La lumière qui passe à travers les planches, des souks comme ça, qui font des raies comme ça dans la poussière. Il y a le fait de passer sous les palmiers aussi, et la vibration des feuilles et les formes géométriques qui sont en dessous. Tout ça, oui, ce sont des vols, mais des vols d'amoureux. On arrive en fait par ce point-là. On arrive sous un auvent qui est un auvent perforé, ce qui se fait pas souvent. On passe sous quelque chose qui est à moitié ombré, perforé de lumière, et tout de suite on sent qu'on est accueilli. Donc on va faire ce petit passage-là, comme ça, tout le long. On va tourner à gauche, comme ça, et puis on va voir cadrer la mer, un premier plan du bâtiment, et le port qui est en face. À ce moment-là, on est déjà dans une ambiance un peu protégée, un microclimat quand même. Il y a 4 ou 5 degrés de différence avec l'extérieur. C'est un peu comme à Venise, hein. Il y a l'eau qui pénètre entre les différents bâtiments et qui donc crée un phénomène de fraîcheur. Son coup de maître, cette coupole de 180 mètres de diamètre qui coiffe la ville-musée. Posé sur 4 points d'appui, le dôme pèse le poids de la tour Eiffel, mais semble en lévitation au-dessus des galeries. Un assemblage de 8000 étoiles d'acier qui ne laisse filtrer que quelques rayons de l'implacable soleil
d'Abu Dhabi. Quand on est dessous, on voit l'endroit où le soleil tape. On voit sur les murs et sur le sol cette géométrie qu'on appelle nous puits de lumière. Et ce phénomène change évidemment avec les saisons, avec les heures. Avec des points qui apparaissent, qui disparaissent, qui grandissent, qui se rapetissent. Si on reste 5 ou 6 minutes devant, on voit ce mouvement-là. Il fallait faire quelque chose avec les matériaux qui étaient là. Autrement dit, avec la mer, avec le sable, et avec une amplitude du ciel qui était là. Il n'y avait pas beaucoup de bâtiments autour, il y a cette amplitude. Donc ce que j'ai cherché, c'est à capter tout ça. Donc à partir de là est née cette invention, ou cette lubie, ou ce désir tout d'un coup, de jouer sur le cinétisme de la lumière et de considérer que le soleil est un projecteur, mais qu'on doit sentir que ce projecteur tourne autour de la coupole. Tous ces éléments-là sont un peu métaphysiques quand même. Ils sont là pour ouvrir l'esprit et pour créer de l'épaisseur et créer du mystère. Il y a 10 ans, l'audacieux pari émirien d'importer le fleuron du patrimoine hexagonal est pourtant mal engagé. La France n'a jamais exporté de biens culturels de cette envergure. Le Louvre des Sables devient rapidement une affaire d'État. Didier Sélès est l'administrateur général du Louvre lorsque les héritiers de Cheikh Zayed prennent contact avec le musée français au début de l'année 2006. Autant on a l'habitude d'associer le Louvre au Metropolitan, à la National Gallery, au Prado, autant à Abu Dhabi, on n'a jamais eu de relation. On ne savait même pas, pour certains d'entre nous, mettre Abu Dhabi sur la carte. Alors que l'Élysée et Matignon font pression pour que la demande émirienne aboutisse, les gardiens du temple s'y opposent. L'idée de vendre la marque d'un musée était impensable en France. C'était même tabou. C'est comme demander de vendre son argenterie. Une vieille famille ne va pas vendre son argenterie, c'est ce qu'elle garde, même si elle n'a plus rien. Il y a eu en fait une levée de bouclier des conservateurs français dès décembre 2006, qui avaient très peur qu'on brade le Louvre, qu'on prête des œuvres qui seraient conservées dans de mauvaises conditions. Et en fait, ces conservateurs ont eu accès à la presse. Il y a eu une tribune très célèbre qui dénonçait une marchandisation du Louvre et des musées français. Il faudra toute l'habileté de Didier Sélès pour venir à bout des résistances et convaincre les conservateurs que nécessité fait loi. Quand je suis arrivé au Louvre en novembre 2000, j'ai constaté avec surprise que le nom du Louvre n'était pas protégé. Et donc j'ai déposé la marque Louvre début 2001 en me disant « on va la protéger ». Et quand il y a eu ensuite la demande des Émiriens, leur projet, à ce moment-là, donc j'ai dit, mais on ne peut pas ne pas valoriser le nom du Louvre. Le nom du Louvre, c'est exceptionnel, il n'a jamais été prêté, et ça vaut de l'or. En échange de son nom, du prêt de ses œuvres et de son expertise, le Louvre négocie un contrat de près d'1 milliard d'euros. Une manne providentielle pour ce musée au fonctionnement coûteux. Une victoire politique pour Renaud Donne-Dieu de Vabre, qui signe un accord intergouvernemental historique le 6 mai 2007 à Abu Dhabi. À son retour à Paris, le ministre de la Culture de Dominique de Villepin jubile en Conseil des ministres. J'ai dit donc avec un peu d'humour, le ministre des Vieilles Pierres et des Troubadours vient de rapporter à son pays sur la longue période,
plus d'un milliard d'euros. Avant que l'un d'entre vous n'en fasse autant pour notre pays, beaucoup d'eau va couler sous la Seine, sous les ponts de la Seine. Et donc, je vais avoir longtemps la parole. La Chirac m'a interrompu en me disant « Hey, oh, c'est moi qui donne la parole autour de la table du Conseil des ministres. » Donc, voilà, on a compris que tu es content, je le suis aussi, et nous allons passer au dossier suivant. Loin des intrigues parisiennes, les vrais gagnants de l'accord sont émiratis. Le pays s'offre davantage qu'un label prestigieux. Rita Aoun fut l'émissaire des chèques auprès du Louvre pendant les négociations. Ce n'est pas juste un projet qui est sorti de nulle part et qui est juste pour attirer les touristes. Ce n'est pas un projet de luxe. Ce n'est pas un projet pour dire, voilà, on a une collection, on a un musée. C'est un besoin. C'est d'abord pour essayer vraiment de pouvoir exister de manière très forte dans une région qui est quand même sujette à des replis identitaires, à des conflits. Abu Dhabi frappe fort dans la guerre d'influence qu'il livre à ses voisins, le Qatar et Dubaï. Dubaï a choisi d'être la vitrine mondiale du tourisme de luxe, royaume du clinquant et des centres commerciaux démesurés. Quant au Qatar, il assure son rayonnement par des investissements massifs dans le sport. Achat du Paris Saint-Germain, de Neymar, le joueur le plus cher du monde, et organisation de la Coupe du monde de football en 2022. Ces pays du Golfe n'ont de cesse que d'acheter des sécurités, d'acheter des assurances vie, parce que ce sont des pays qui sont, en dépit de leur richesse, foncièrement fragiles. Je crois que le Louvre Abu Dhabi est extrêmement important, parce que c'est une marque qui a une résonance sur la scène internationale, pas que vis-à-vis de la France, et que le Qatar, ça ne l'a pas. Le Qatar a des beaux musées, mais le Qatar n'a pas le Louvre. Pour être à la hauteur de l'ambition universelle du Louvre, les Émiriens ont investi 40 millions d'euros par an, constituant pièce après pièce une collection permanente de la préhistoire à nos jours. Cet élégant bodhisattva du 3e siècle après Jésus-Christ, provenant du Pakistan, le chef-d'œuvre d'Édouard Manet, père de l'impressionnisme, le bohémien, ou encore cette belle anthropométrie d'Yves Klein, où l'artiste et sa femme ont laissé l'empreinte de leur corps, font partie des plus belles acquisitions. Un fonds de 600 chefs-d'œuvre, Gauguin, Mondrian ou Magritte, dont seule la moitié est exposée. Les prémices d'une collection ambitieuse, mise en scène par son directeur scientifique, Jean-François Charnier. On a souhaité que le visiteur arrivant se retrouve comme en fait un voyageur débarquant sur l'île de Sadiat, découvrant en fait le musée. Au sol, on voit des lignes géométriques qui partent de cette rose des vents. Ces lignes géométriques se croisent. Ce sont celles en fait, d'un portulan, une carte marine du XIIIe, XIVe siècle, qui croise la ligne de littoral ici, ce qui est le littoral des Émirats Arabes Unis, avec des noms qui sont indiqués, qui sont en fait les noms des lieux de la création de ces œuvres. Ça donne le sentiment que toutes ces œuvres se sont rencontrées à Abu Dhabi et que Abu Dhabi se trouve ici, dans cette réflexion, un peu au centre du monde. Un carrefour de civilisation qui a inspiré aux jeunes conservateurs cette muséographie unique au monde. Là, on a trois masques en or qui viennent de mondes différents, de civilisations différentes. Vous avez le Proche-Orient, ici avec un très beau masque funéraire. Vous avez la Chine, avec ce masque Liao.
Et vous avez l'Amérique précolombienne avec ce masque qui vient du Mexique, qui sont en fait trois rapports similaires à la matière, l'or, matière-lumière, matière éternelle, matière incorruptible. On les met ensemble parce qu'on souhaite montrer qu'il y a une convergence de ce rapport à ces valeurs fondamentales, à cette relation à la mort et à l'éternité. Ça montre qu'on partage des valeurs communes dans l'humanité et pas simplement des différences. Si le Louvre Abu Dhabi a pu lancer ses ponts entre les mondes, c'est grâce à un accès inédit au patrimoine culturel français. Aux côtés du Louvre, de la Bibliothèque nationale au château de Versailles, 12 des plus grands musées de France se sont engagés à prêter leurs œuvres iconiques. Le musée d'Orsay s'est ainsi séparé temporairement de cet autoportrait de Vincent Van Gogh ou de la gare Saint-Lazare de Claude Monet. La Belle Ferronnière de Léonard de Vinci a quitté le Louvre. Le Rocher Rouge de Paul Cézanne a été décroché des murs du musée de l'Orangerie, tandis que le Centre Pompidou prête ce sublime Giacometti. Au fil des salles, un dialogue entre les œuvres apparaît. Des influences, des métissages, qui permettent à Jean-François Charnier, l'anthropologue, de questionner notre identité. Autour du 500 avant notre ère, vous aviez à la fois Bouddha en Inde, Confucius en Chine et Socrate en Europe qui pensent l'homme dans sa cité, son destin individuel, son destin collectif et qui va marquer profondément l'histoire de la pensée et l'histoire continentale. Donc il était intéressant de les mettre ensemble. Au Louvre Abu Dhabi, on les met ensemble. Je crois que je n'ai jamais vu d'autre exemple dans aucun autre musée qui les mette ensemble. Je souhaiterais que le visiteur ait le sentiment que sa propre identité, à lui, se construit dans la relation aux autres. Que lui-même comprenne que l'ouverture aux autres et la rencontre à l'autre est un moment clé de son épanouissement, de son devenir, de son développement. C'est une part d'humanisme, en fait. Il y a un message humaniste au Louvre Abu Dhabi. L'importance de l'autre, de l'altérité, dans la construction de sa propre identité. Les artisans de ce musée proposent une oasis d'universalisme dans un monde fragmenté. Une utopie humaniste qui se joue des frontières dans une région sous haute tension. La proposition du conservateur fait écho au voyage métaphysique auquel l'architecte du Louvre des Sables invite les visiteurs. Tous ces éléments ensemble créent, je crois, une sérénité, un calme, et ouvrent, je dirais, l'esprit vers une méditation propice à regarder les comparaisons entre ces objets souvent millénaires et quelquefois actuels. On est dans cette lecture du temps et dans cette lecture d'objets qui viennent d'ailleurs et qui se rencontrent là. C'est un lieu de rencontre spirituelle.